Alors, connectez-vous rapidement, connectez-vous Afrique de liberté, connectez-vous chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique. Connectez-vous depuis vos différents bords, depuis vos différentes positions. Je vous salue. Je vous salue Afrique de liberté et je vous demande comme ça de partager cette vidéo. Partagez-moi la vidéo aussi, envoyez-la partout où se trouvent donc les Africains, Afrique de liberté, parce que on doit en tout cas informer nos frères et sœurs par rapport à cette révolution qui est en marche par rapport à tout ce qui se passe dans notre sous-région. Afrique de liberté, vous êtes aussi Côte d'Ivoire 2020. Je suis l'Amirable Bafé, votre humble serviteur. La chaîne panafricaine, la chaîne de résistance Côte d'Ivoire 2020, c'est votre chaîne. Voilà. Elle vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà de l'Afrique. C'est votre chaîne, donc, les nouveaux et les nouvelles. D'abord, nous vous disons à quoi bas. Bienvenue sur Côte d'Ivoire 2020. Abonnez-vous d'abord et après, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est très important. Alors, Afrique des libertés, il faut dire que les choses sérieuses ont commencé en Afrique. Afrique des libertés, il y a toujours un temps pour toutes choses. Et les choses sérieuses ont commencé en Afrique. Le Niger, en tout cas, n'est pas allé du dos de la cuillère pour non seulement interpeller Alassane Dramane Ouattara, mais rappeler son ambassadeur à Abidjan. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a été rappelé par les nouvelles autorités du Niger. Après donc les propos très durs et très fermes de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le Niger a demandé à ce que son ambassadeur qui est à Abidjan là rentre automatiquement. Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas s'en sortir. Dramane Ouattara ne pourra pas s'en sortir. Afrique de liberté. Pourquoi je le dis? On va écouter cette vidéo. Et vous-même là, vous allez vous rendre compte. Ces gens-là ne pourront pas s'en sortir. Cette association de CEDEAO avec les chefs, les patrons, la France de Macron, on précise, la France de Macron, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est l'heure, la fin donc de la France-Afrique qui a sonné. C'est la fin de ces marionnettes-là, ces dictateurs-là qui a sonné. Aujourd'hui, le Niger n'est pas allé du dos de la cuillère, comme je l'ai dit, pour rappeler son ambassadeur. Le régime militaire qui est en place a rappelé l'ambassadeur à Abidjan après des propos de Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez que c'est pas plaisir? Vous pensez que c'est parce qu'ils ont envie de retirer l'ambassadeur qu'ils l'ont fait? C'est un message très fort envoyé à Abidjan. C'est pour dire à Alassane Dramane Ouattara qu'aujourd'hui, là, ils sont prêts eux aussi là, à en découdre. Et ça, là, ce n'est pas un débat. La mise en garde là, ce n'est pas à prendre à la légère, Alassane Dramane Ouattara. Quand le général Tchiani dit comme ça que si vous attaquez le Niger, la Côte d'Ivoire sera attaquée là, ce n'est pas à prendre à la légère. Cette mise en garde là, ce n'est pas à prendre à la légère. Il faudrait en tout cas prendre ça en compte. Parce que la Côte d'Ivoire n'échappera pas. Ça là, ce n'est pas un débat. Aïe! Je ne peux pas être dans mon pays. Et puis toi, tu vas prendre tes hommes pour venir m'attaquer. Et puis toi, ton pays sera à l'abri. Mais ça, jamais. Cette mise en garde, ce n'est pas à prendre à la légère, Alassane Dramane Ouattara. Et ça sera ta porte de sortie. Comment ça? Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Afrique de la Liberté, on nous dit que le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey a annoncé hier lundi 14 août dans un communiqué qu'il rappelait l'ambassadeur du Niger à Abidjan après des propos d'Alassane Dramane Ouattara. On nous dit que le dictateur de Côte d'Ivoire, le putschiste, le violeur de constitution, on nous dit que le sanguinaire, le terroriste, le djihadiste, le vieux menteur, Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui là, les nouvelles autorités du Niger l'accusent d'avoir fait comme ça l'apologie de l'action armée contre, en tout cas, le pays. En référence au feu vert donné par des voisins ouest-africains du Niger à une possible intervention armée pour rétablir l'ordre constitutionnel, le régime militaire dénonce l'empressement comme ça d'Alassane Dramane Ouattara à avoir sérialisé cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger. Les nouvelles autorités du Niger dénoncent pourquoi est-ce que Dramane Ouattara est agité et pressé de voir
se réaliser, c'est-à-dire cette attaque, cette guerre. Pourquoi est-ce que Ouattara veut coûte que coûte la guerre? Pour ce fait, ils ont rappelé leur ambassadeur. C'était un message très fort et comme je l'ai dit en début, la mise en garde là, ce n'est pas à apprendre comme ça la légère à Alassane Dramane Ouattara. Alors quand tu vas attaquer là, quand tu vas attaquer en tout cas, attends-toi à des retombées. Parce que tu ne seras pas épargné, ta famille ne sera pas épargnée. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, que tu utilises comme tu veux, ne sera pas épargné. Et nos frères et sœurs, les pauvres Ivoiriens qui n'ont pas demandé à ce que, en tout cas, tout ça là arrive, ne seront pas épargnés. Et c'est ça, en tout cas, que nous, là, nous ne voulions pas. Mais Ouattara, tu vas échouer. Tu vas échouer, ce n'est pas un débat. Afrique de liberté, écoutons cette vidéo et à tout à l'heure pour notre petit commentaire. On y va. Les Nigériens ne peuvent pas lire. C'est un arabe libyen envoyé par la France pour être élu démocratiquement selon les normes françaises. Quand un président africain est élu démocratiquement selon les normes françaises, sachez qu'il est un ennemi de son peuple. Et Bazoum est devenu l'ennemi de son peuple. Comment? On arrête des terroristes, on les enferme, Bazoum les libère et ils vont égorger des militaires. La première fois, on se dit, bon, il y a erreur. Peut-être il ne savait pas. Deuxième fois, il le remet. Mais on l'a balayé. Maintenant, on le balaye. Et comme on le dit, il y a un petit gamin à Paris. Après, il s'agit. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas passer comme ça. Tu es qui? Tu n'es rien. Macron n'est rien. Lui, il aurait dû avoir son coup d'état depuis. S'il n'avait pas, il y a quelques années, pris des dispositions en limogeant des pans entiers de l'armée française. On le sait, personne n'en parle. Et on se réunit, la CEDEAO se réunit. Parmi la CEDEAO, dans la CEDEAO, il y a des gens d'un âge respectable. Si les jeunes comme Talon, Fornia Singbe, les choses, comment ils s'appellent le Bissau Guinée, si c'est eux qui s'agitent, voilà, un ballot, ils sont jeunes. Si c'est eux qui s'agitent, normalement, c'est Tinubu, Ouattara, Akufo-Addo qui leur dit, hé, les jeunes, calmez-vous. Nous, on veut réfléchir. On veut trouver une solution qui arrange tout le monde. Ah non, les jeunes ne s'agitent pas. Alors, ces trois vieillards qui, entre deux sommeils à Abuja, ils se réveillent du sommeil. Ah, on disait quoi? Ah, on va aller faire la guerre au Niger. Hé, hey, Gilles, si tu as vécu au village, un chasseur, même si c'est pour aller chasser les perdrix, la veille, au moins, il est sur son fusil. Il contrôle ses cartouches, ses chaussures. Comment voulez-vous, si ces gens de la CEDEAO, les plus vieux, qui sont les plus hargneux et les plus débiles, comment voulez-vous que des gens sérieux se réunissent comme ça au pied levé sans avoir consulté leurs armées? Ne parlons même pas de leurs assemblées nationales puisqu'ils veulent appliquer les méthodes de leur patron Macron, 49-3. Bon, on attend de voir si Tinubu va faire passer 49-3 au Sénat et à l'Assemblée nationale nigériane. Si l'autre, Ouattara, s'il peut le faire. Si notre voisin ici, il peut le faire. Donc, ils se sont réunis entre deux sommeils, trois vieillards croulants. Non, ils sont quand même en forme, ils dirigent leur pays. On va... Ils dirigent leur pays, mais pourquoi on commence à comprendre pourquoi les Occidentaux ont manipulé pour mettre Tinubu président. Son élection n'est même pas encore tranchée, ce qui est grave. Le vieux, son élection n'est pas encore claire, parce qu'il a menti sur son âge pour être candidat. On doit le destituer. Maintenant, pour ne pas être destitué, il est obligé de faire le valet de Macron, et espérant que Macron va plaider. Non, le Nigeria, c'est pas la Gambie. Et j'ai écouté un certain Abdoulaye Barry qui comparait l'intervention au Niger à ce qui s'est passé en Gambie où c'est Yahya Jammeh qui a appelé pour dire ah, je n'en peux plus, venez me sauver. Mais bon, même si tu as pris l'agent de Bazoum il y a à peine deux ou trois semaines, tu veux le défendre. Défends-le intelligemment, mon ami. Bon, on n'en était pas là. Défends-le intelligemment. On ne sait pas s'il a pris de l'argent. Il a pris l'argent. Luc Abadou, ben, vous semblez ne pas croire en cette intervention alors que les Occidentaux ont fait évacuer leurs ressortissants, la France, les États-Unis, l'Italie, etc. Mais ces interventions, ces évacuations ont lieu souvent quand il y a grabuge. Eh ben, justement, c'est la preuve encore une fois que ce sont ces Occidentaux-là qui sont en train précisément de planifier l'intervention militaire au Niger à travers la CEDEAO. Et donc, comment vous pouvez comprendre que des présidents, des dirigeants des pays sérieux puissent sous un coup de tête
dans une émotion négative. C'est-à-dire que la promptitude avec laquelle la CEDEAO a cru utile de réagir montre que cette dirigeant-là était dans une émotion négative. C'est-à-dire qu'ils étaient animés par une certaine peur, une certaine angoisse, ils étaient sous pression. Or, en réalité, la qualité majeure d'un leader, c'est d'abord l'équilibre. C'est d'abord la sérénité. C'est d'abord cette capacité d'avoir la tête sur les épaules et de décider de façon froide. Comment, de façon hasardeuse, comme l'ambassadeur l'a dit à l'instant, vous pouvez imaginer envoyer des troupes dans un pays comme le Niger avant d'avoir pris les dispositions techniques et pratiques, avant d'avoir visité l'opérationnalité de la chose. Et donc aujourd'hui, vous voyez combien ces présidents sont en train de reculer. Parce que précisément, ils voient que, ben écoutez, les dirigeants nigériens ne sont pas dans les dispositions où ils cèdent face à des intimidations, face à des injonctions. Mais la qualité première d'un soldat, c'est quoi? C'est de ne pas avoir le sentiment de peur. Parce que justement, il est formé pour défendre la cause d'un pays, pour défendre la cause d'un peuple. Ce n'est pas lui qui doit céder à la peur, à l'intimidation, aux injonctions. Cette méthode guerrière, désinvolte et à la limite et arrogante, ne permet pas d'amener les militaires, même s'ils étaient en tort, à rebrousser le chemin. Parce que justement, ils ont compris qu'ils doivent pouvoir avoir s'appuyer sur leur peuple. Et puis aujourd'hui, les Maliens se déchaînent en masse pour dire « nous soutenons les nouveaux dirigeants ». Puisque précisément, il est avéré que le Niger est un pays extrêmement riche en termes de ressources naturelles, minières, et dans le sous-sol est riche. Mais le Niger compte parmi les pays les plus pauvres, sinon le plus pauvre du monde. Ouais. Et dans ces conditions-là, 192 pays. Hein. Ben justement. Donc ça veut dire clairement que ce pays-là a été délibérément maintenu dans la pauvreté, dans la servitude, de telle manière que les puissances occidentales, dont la France, qui jouit de façon démesurée de l'uranium et puis des autres ressources de ce pays-là, puissent profiter sur la coulée douce de façon paisible sans que cela n'éveille la conscience du peuple nigérien. Mais écoutez, tu as dit que l'uranium nigérien est vendu à 27 000 francs le kilo, alors on va en venir. C'est clair, l'hystérie avec laquelle le président français est en train de réagir dans le dossier nigérien montre clairement qu'il est désemparé, désaxé, dérouté, angoissé, inquiet, parce qu'il a bien compris que le Niger, c'est le dernier pays du Sahel sur lequel il comptait pour engager la reconquête de cette zone-là qu'il est en train de perdre de façon progressive. Et donc, dans ces conditions, ils sont prêts à tout. Malheureusement, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Parce que avant une intervention militaire au Niger, en principe, il va falloir avoir une résolution. Une résolution des Nations Unies qui l'autorise, ce qui n'est même pas envisageable aujourd'hui. Et donc, on attend de voir, après cette agitation enfantine, ce qui va s'en suivre. En tout cas, les téléspectateurs semblent aussi sceptiques que vous. Hein. Dodo de Dapan nous dit, par exemple, bonjour Lucas Baki, le grand, et son co-débatteur, le gladiateur, pour ne pas trop tourner en rond, la CEDEAO n'enverrait ni aujourd'hui ni demain ses troupes au Niger. On va en venir, voilà. Pourquoi les Occidentaux font évacuation de leur... Moi, les Occidentaux ne me gênent pas. Absolument. Ils sont dans leur rôle. Tout à fait. Macron sait qu'il a 600 Français au Niger dont la vie importe pour lui. Le Nigeria a plus d'un million ressortissants au Niger, ils s'en foutent sur les tuiles. Tout à fait. C'est la différence. Maintenant, voyons même d'abord qui veut intervenir au Niger. Une bande de quatre bras cassés qui veut intervenir au Niger. Il y a qui? Il y a Macky Sall. Embourbé dans les pires emmerdes dans son pays. Et il veut envoyer des troupes pour combattre le Niger. En oubliant, juste en regardant la carte de l'Afrique de l'Ouest, qu'il est coupé de ses complices. C'est-à-dire que les pays, la Guinée, le Burkina et le Mali, le coupent de ses complices, de ses complices guerriers de la CEDEAO. C'est ça. Toi, Macky Sall, après toute la honte dont tu nous as couvert dans tes histoires de blé, dans tes histoires de faire la paix en Ukraine, tu es parmi ceux qui sont allés. Je comprends pourquoi Zelensky vous a traité comme des chiens, parce que vous n'êtes pas porteur de paix. Puisqu'aujourd'hui, tu veux la paix pour les Blancs en Ukraine et tu veux la guerre pour tes frères au Niger. Mais est-ce qu'il veut la guerre? Parce qu'il faut quand même laisse-moi finir. Mettre les choses dans leur contexte. Non. Il veut quoi, la paix? Il s'agit de l'intervention militaire au Niger proclamée. Est-ce que c'est la paix? Laisse-moi finir. Maintenant, tu te livres à toutes ces contorsions. Or, toi, Macky Sall, tout le monde sait qu'avant décembre, tu auras fini ton haricot. C'est fini. Ok, on passe à l'autre, à Ouattara. Ouattara, sois sérieux. Tu as tué 3000 Ivoiriens? Non.
Alors, Afrique de la Liberté, c'était donc l'intervention du papa camerounais, du papa depuis, donc en tout cas sa position au Cameroun, on lui fait un big up parce qu'il a été clair et net, il a parlé très très fort et c'est très limpide. Ces vieux-là, on doit les régler, c'est très important parce que quand tu as un certain âge, il y a en tout cas des choses que toi-là, tu ne dois plus faire. Arrivé à un certain âge, il y a en tout cas des choses que tu ne dois plus te permettre de faire. Mais ici, en Afrique, c'est le contraire. Alassane Dramane Ouattara, ces vieux-là, c'est plutôt le contraire. Ils veulent coûte que coûte qu'on s'entretue encore pour les intérêts français. Ce temps-là, c'est révolu. C'est ce que nous voulions faire comprendre à nos vieillards. Si vous êtes vieux et que vous ne connaissez pas votre place là, nous là, on va vous mettre là-bas. Il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ça. C'est quoi? C'est quel héritage vous voulez laisser en tout cas à vos enfants, à vos petits-enfants? C'est quelle histoire de vouloir toujours travailler pour la France? Qu'est-ce que la France nous a apporté? Qu'est-ce que la France nous a donné? Tout ce que nous là, nous avons donné à la France là, en retour, qu'est-ce que la France nous a apporté? Des malheurs, des guerres, des divisions, des famines, le désespoir. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter en tout cas de vous faire manipuler par un enfant de tout de rien. Ce gamin-là, ce bambin, ce Barta notoire-là, c'est lui qui va vous manipuler. C'est ce gamin qui est assis ici à l'Élysée, là, le petit Macron, qui est en train de foutre le bordel ici en France. C'est lui qui va vous manipuler. Vous, ces vieillards, des vieillards comme ça, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de voir vos frères et soeurs, vos enfants, vos petits-enfants. Allez mourir dans la Méditerranée. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ou bien ça ne vous dit rien. Quand vos frères et soeurs vont mourir dans la Méditerranée, là, ça ne vous dit rien. Vous voulez toujours bosser pour les colons. Toujours travailler pour hein, ces salopards-là. Vous n'avez pas honte, vous, ces vieillards, d'être à la solde comme ça, d'un enfant comme ça, qui sème les chaos en France ici. Il n'a même pas pu relever les défis. Il n'a pas pu relever les défis. Et c'est vous là. C'est vous là. Il faut arrêter ça. Partager, protéger Afrique de liberté, en tout cas, c'est un plaisir. Vous savez que ces deux temps-là, je ne deviens pas trop parce que voilà, je suis en traitement actuellement, je suis un peu souffrant. Donc, j'interviens peu. J'interviens peu. Et très très bientôt, en tout cas. On va reprendre les bâillements, les aillements. Voilà, très bientôt. On va parler à la Alassane Dramane Ouattara. Et puis, ces vieux-là, ces vieux qui sont en train de. Je ne sais pas si c'est l'âge qui les fait délirer. On ne sait pas si c'est l'âge, en tout cas. Bon, nous, là, on va enlever ça dans les yeux. Ce n'est pas un débat. Partagez, ça a été un plaisir, Afrique de Liberté. C'était votre humble serviteur sur Côte d'Ivoire 2020, qui est votre chaîne de résistance panafricaine. Voilà, donc il faut vous abonner. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est très important. Portez-vous bien et ciao, ciao.